Tapapai, le grand magicien du Congo Brazza. Cette histoire m'a été racontée par l'une de mes abonnées du Congo Brazzaville. Un homme du nom de Tapapai était considéré dans sa communauté comme étant un grand mystique et magicien. Un jour, les habitants du complexe où vivait Tapapai s'étaient installés dehors pour regarder un match de foot sur une télévision fournie généreusement par l'un des voisins. Les jeunes étaient très excités devant le match et faisaient beaucoup de bruit. Tapapai sortit alors de chez lui et leur demanda de faire moins de bruit. Mais ces derniers étaient obnubilés par le match et ne l'écoutèrent pas. C'est alors que, par on ne sait quel miracle, Tapapai apparut directement dans la télévision et réitéra son message aux jeunes d'arrêter de faire du bruit. Pris de panique, les jeunes prirent leurs jambes à leur cou. Et cette nuit-là, le complexe n'avait jamais été aussi calme. Une autre histoire sur Tapapai nous raconte la chose suivante. C'était la saison des mangues. Tapapai avait un manguier qui produisait de beaux fruits, gros et juteux. Un jour, un jeune alla se servir sur le manguier de Tapapai sans lui demander la permission. Grosse erreur. Tapapai le surprit en flagrant délit et lui demanda une chose très étrange. Il demanda au jeune de recoller toutes les mangues qu'il avait mangées sur les branches du manguier. Le garçon, confus, rétorqua « Ah, Pépé, comment je vais pouvoir faire ça ?» Tapapai lui dit alors qu'il avait juste à les approcher de l'arbre et qu'elles se recolleraient automatiquement. Le garçon s'exécuta. Et à sa grande surprise, les mangues reprirent leur place sur le manguier comme si de rien n'était. Le garçon, foudroyé de peur, prit ses jambes à son cou. Un autre événement plus que mystique marqua les esprits. Tapapai avait un fils qui était très intelligent, très fort à l'école. Souhaitant l'épanouissement de son fils, Tapapai décida de vendre l'un de ses terrains et de l'envoyer en Europe. Ce dernier expliqua à son garçon que quand il serait là-bas, il trouvera du travail et qu'il devait envoyer de l'argent à son père et à la famille. Au début, le fils s'acquitta de cette tâche, mais le temps passant, il finit par ne plus rien envoyer à son père. Ce dernier s'était marié à une Européenne et avait complètement oublié sa famille. Malgré de nombreux appels de Tapapai, le fils n'honorait toujours pas le contrat établi entre lui et son père. Un matin, on ne sait par quel miracle, le jeune homme se retrouva télétransporté à Brazzaville sur le terrain familial de son père dans l'une des douches de la maison familiale. Son père apparut devant lui. Le fils lui demanda « Mais papa, qu'est-ce que je fais là ?» Son père lui répondit qu'on l'avait soutenu pour qu'il aille en Europe, mais qu'il les avait oubliés et fait preuve d'ingratitude. Le fils s'excusa et le supplia de le laisser retourner en Europe. 3 jours passèrent, et le troisième jour, Tapapai accepta de le faire retourner en Europe, mais à condition qu'il tienne sa parole. Le lendemain, le jeune se réveilla de nouveau en Europe, et depuis lors, ne manqua plus jamais d'envoyer de l'argent à sa famille restée au pays. Mes abonnés du Congo, avez-vous déjà entendu parler de Tapapai? J'attends vos réponses dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Salut à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon prochain EP qui s'intitule « Deb en tout haut » le lundi 12 septembre 2022. À cette occasion, je ferai un live où je dévoilerai enfin à quoi je ressemble. Préparez-vous, ça va être du lourd. Rendez-vous est donc donné pour le 12 septembre 2022. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Chie.